Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire une vidéo FAQ et présentation de la chaîne dans sa globalité. En quoi consiste notre projet? Notre projet consiste à faire des vidéos partenariats, placement de produits avec différentes marques sous forme de vidéos YouTube pour interagir avec vous, pour que vous nous posez vos questions et qu'on puisse débattre, qu'on vous conseille, qu'on vous vend le produit. Pour augmenter les chiffres des points de vente, que les petits commerçants se fassent démarquer. Deuxième question, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à commencer ce projet? Donc c'était grâce à notre listée, on avait une matière chef d'œuvre. Et on a un projet sur 2 ans à faire, donc on a eu l'idée à 4 de faire des vidéos présentations pour tout le long de notre année de première et de terminale. Est-ce que c'est un projet qui vous tient à cœur? Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment, c'est un Sinon projet qui vous tient à cœur. Sinon, on ne l'aurait pas fait. On n'aurait pas choisi de faire ce projet aussi. D'ailleurs, on aurait pu choisir un différent type de projet, mais on a préféré faire celui-là parce que c'est plus simple de communiquer avec des vidéos. Et c'est plus éducatif. C'est plus facile de communiquer. Par exemple, sur Insta, on peut faire des photos, des trucs comme ça, mais on peut pas vous expliquer comme on le souhaite. On part en faisant des stories, mais c'est moins bien. Là, on garde les stories, une trace ça concrète s'efface. Et c'est mieux. Ouais, les stories, ça s'efface, alors que là, on a encore. Donc, quand avez-vous commencé le projet? On l'a commencé cette année. Depuis le mois de septembre, on est au mois de décembre. On a eu des intervenants. Et on va nous expliquer comment faire un projet. Et on a, là ici c'est notre première vidéo qu'on a fait. Combien êtes-vous sur ce projet? Donc on est scolairement parlant, j'en ai 4. Sinon il y a de l'entourage qui sont là pour nous soutenir, pour nous aider. Et on est 4. Encourager. Donc on est 2 à faire les vidéos, à présenter les produits. Et derrière tout ce que vous voyez, là il y a les 2 autres personnes du groupe. Donc c'est-à-dire le caméraman, celui qui fait le montage et tout le reste. Et celle qui fait les fiches, qui nous aide avec les produits pour dire ce qu'on doit argumenter. Donc si on a besoin d'un conseil, d'un contact, vous nous donnez. Et même vous qui nous aidez à nous faire progresser et à nous faire continuer en fait. Oui c'est ça. Pour quelle raison faites-vous ce projet? Par envie. Et par envie, parce qu'on l'a choisi, on a choisi de faire ça comme projet, on n'a pas. C'est pas pour l'argent ou des trucs comme ça. Même, en dehors du projet scolaire, on avait déjà envie. Donner l'envie en fait de faire des vidéos, d'interaction, etc. Ouais, de communiquer avec vous. Hein. C'est ça. Ouais. C'est ça. Après, c'est pas pour l'argent et tout ça, là c'est vraiment pour des conseils qu'on pourrait vous donner. Parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des conseils gratuits. Comme ça, on évite d'acheter et finir déçu. Ouais, c'est ça. Au moins, comme ça, c'est nous qui. Comme ça, par exemple, là vous aurez 2 avis en une vidéo. Parce qu'avoir trop d'avis différents, c'est compliqué. Alors que là, on aura un avis global sur 2 personnes différentes et on pourra tester aussi des produits en vidéo face à vous. Donc par exemple, si ça serait du maquillage, on pourrait faire du maquillage devant vous comme ça. Ça serait beaucoup plus simple. Pour rendre ça plus attractif et plus amusant. Qu'allez-vous présenter? On va présenter de tout et de rien, donc c'est-à-dire Du cosmétique à l'alimentaire. Vraiment de tout, ça peut être des objets, par exemple, je sais pas, de la peinture à des pinceaux, des pinceaux de cosmétiques. Il n'y a pas de marque. En préférence, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Parce que le but, c'est vraiment de vous aider pour tout. Il n'y a pas d'exception. C'est vraiment de vous aider pour tout, dans tous les projets. Qui êtes-vous? On est des jeunes lycéens en première et MCVA, donc c'est commerce. Donc on est en propre commerce. On a tous entre 16 et 17 ans. On a 16-17 ans, il y en a qui vont avoir 18. Et c'est un projet qui... C'est un peu varié. On est tous un peu variés. Le projet va durer 2 ans. Mais pourquoi pas continuer Pourquoi pas continuer encore des années quelques années après, ouais, par la suite. Parce que... Ça peut toujours nous aider, par exemple, avec des études Si cette chaîne fonctionne bien, on va la continuer, il n'y a pas de doute dessus. C'est sûr. Et avec quelle marque aimeriez-vous collaborer? Vraiment, du tout et de rien, on n'a pas de marque en spécialité.
est-ce que c'est un projet à longue durée ou temporaire? Bah oui, c'est un projet longue durée, parce que vraiment là, on peut on fait ça sur longue durée, mais ça restera toujours juste pour l'amusement, en fait. C'est pas un truc qui va vraiment être fixé sur professionnel notre métier. C'est vraiment, on aura... Un loisir. Ouais, c'est vraiment un loisir, un petit kiff. Oui, on a demandé à des personnes de nous aider, notre entourage. On a demandé à notre entourage de nous aider, donc, c'est-à-dire les amis, la famille, nos copains, peu importe, tout le monde, tous nos copains. Comment vous êtes rencontrés à deux? Au lycée. Ouais, voilà. Pareil, on s'est rencontrés en septembre. En septembre, à la rentrée scolaire. D'ailleurs, on a déjà eu des échantillons, donc on va vous les présenter juste après. Non, dans une autre vidéo. Ouais, dans une autre vidéo, la vidéo d'après. Du coup, là on a une question, c'est quelles sont nos passions? Clairement, je dirais le maquillage, par exemple. Le maquillage, c'est vraiment une passion. La une mode. Passion depuis le confinement. J'ai toujours aimé maquillage, mais je me suis vraiment lancée pendant le confinement. Et après, sinon, le cirque, c'est vraiment une passion. Après, vite aller quand même. Après, question à l'acrobate. Les parfums, je kiffe trop les parfums. J'ai des grosses boîtes de parfums. J'aime trop les parfums. C'est de tout et de rien, plus. Vraiment les parfums. Parce que j'aime bien sentir bon. Un truc qui n'est pas négligeable, sentir bon. Elle pense à sa vie, frère. Ça me fume. C'est vrai, c'est pas négligeable un parfum. C'est ceux qui se permettent de négliger le parfum. Moi, je peux pas les gens qui s'en mettent. Tous les jours, je suis obligée d'en mettre. Genre, si j'oublie, je prends mon petit truc hop, je le mets dans mon sac. Moi, je le mets toujours dans mon sac, mon parfum. Moi aussi, mais après, j'en ai déjà cassé. Même la coiffure. La coiffure, j'aime bien, ça. Non, regarde les cheveux sur toi, en fait. Flex on the flex. pareil pour la mode, hein. J'aime bien les vêtements. J'aime bien m'habiller, j'aime bien être bien dans mon corps. J'aime bien être bien présentée. Aussi. J'adore. Genre, en fait, pour moi, genre, mes passions, c'est vraiment le maquillage, la mode et le sport. Ouais, la mode, le parfum, le maquillage. Et aussi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur Insta. On vous dira. Ou même en commentaire. Oui, même. Et n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner, à aimer la vidéo, à la partager. Ça nous aiderait beaucoup. Et parce que le but, ça serait de faire tourner ces vidéos pour essayer de que notre projet fonctionne. Et qu'il soit vu par beaucoup de personnes. C'est exact. Voilà, sur ce, ciao ciao.